Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Terraria. Bonsoir tout le monde. Alors, petite modif sur cet épisode 8. Il faut savoir que l'épisode 8, on le tourne la veille que l'épisode 1 sort. Comme ça, vous êtes au courant à peu près depuis combien de temps on tourne. Vous avez été tenu au courant également sur mon stream que maintenant, on va dire, après c'est les épisodes qu'on va tourner maintenant, vous êtes censé pouvoir les voir sur le stream de Miss Eleni de temps en temps, quelques soirs. D'accord, donc c'est bien ça. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer, tourner, et Miss Eleni va streamer, comme ça, bah, il aura le retour du stream, et on pourra communiquer à partir de son stream. Ça peut être pas mal. Ouais, et ça permettra de faire moins de conneries. C'est ça, et en plus de ça, j'ai modifié mes options, puisque bon, Terraria, je suis pas encore familiarisé avec le jeu, mais du coup, j'ai pu voir qu'on pouvait changer le zoom. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont dû me faire la remarque, mais vu que, comme je viens de le dire, l'épisode 1 n'est pas encore sorti, je peux pas le savoir. Mais du coup, j'ai mis un zoom à 130% et un UI scale à 150, ce qui fait que maintenant on voit l'inventaire beaucoup mieux qu'avant, et puis j'ai un petit peu plus zoomé. Du coup, monsieur Miscellany, le programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, ça va être très simple. On va aller en enfer et on va aller chercher suffisamment de minerais pour pouvoir se faire du stuff pour ensuite aller dans le donjon. C'est parti. Du coup, on fonce. Alors moi je descends gentiment, hein. Moi je fais pas le gueudin moi. Hein. Moi j'ai peur. Hein. J'ai pas envie de mourir. Voilà. Ah bah d'accord. Voilà. J'avais oublié que j'avais... C'est vrai que le bouclier qui fait bouger rapidement sur le côté, c'est pas très utile. Oh ouais, je viens de le faire. Ah la vache, ça a dû te faire mal quand même. Ah bah oui, je suis mort. Aïe 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 aïe. Parce qu'en plus, je voulais juste prendre mes torches pour pouvoir éclairer le chemin, sauf que bah, visiblement, ça a pas trop plu. Non, j'en mets quelques-unes torches, mais bon, de toute façon, ce mur-là, on va le polir après, plus tard, il ouais. Y a pas de problème. Et puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, avant qu'on lance le tournage, quand on aura les ailes, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, même carrément, plus, ouais. Puis au moins, on a le grappin pour pouvoir se rattraper pendant la chute, au cas où. Ouais. Après, faut savoir viser. Oui, c'est juste ça. Alors, par contre, tu feras gaffe parce que tout en bas du puits, il y a de la lave. Ok. Donc, moi j'ai un de mes équipements qui me permet d'aller dans la lave, donc moi j'en fiche. J'ai voulu m'accrocher à de la glace, ça marche pas beaucoup. Aïe aïe aïe. Ouh, il y a de l'obsidienne carrément en bas. Oh la vache, mais j'ai pris cher. Hein. En plus, j'ai même pas pris de potion de heal. C'est pas très malin. Ah, bravo, monsieur. Bon, bah, je vais redescendre gentiment mais sûrement là. Comme ça me laisse le temps de finir le puits. Ouf. Maintenant que j'y pense, j'aurais très bien pu le faire avant, largement avant, de terminer le puits. De quoi donc? Bah le puits là, j'aurais très bien pu terminer avant qu'on tourne tout simplement. Ouais, bon c'est pas très grave. Oh, il y a quelqu'un qui est décédé là. Ah bah c'est, soit, ça peut... c'est sûrement moi. Non, quand je dis il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelqu'un qui est allongé au sol là. Ah, oh, c'est peut-être un PNJ. Oui, c'est forcément un PNJ, sauf que là je tombe comme un sac. Parce que non, j'arrive pas à jouer, je suis un noob. A l'aide. C'est quel PNJ? Je sais pas, je vais te dire ça, je vais essayer d'y accéder. Ok, j'y suis arrivé. C'est Unconscious Man. C'est un homme. Oh, il y a une. Ah. Il y a de la dynamite là. Et Donne ça. T'as fait clic droit sur lui? Pas encore. Je récupère la TNT là. Voilà. Je vais faire clic droit sur lui. How did I get here? Oh, c'est un gros monsieur. Hein. Il est chauve. Ah, c'est le tavernier. Alors, have you seen any neighbors around here? Eternal Crystal. Defender Medal, il m'a donné. Ce monsieur, mon cher, nous permet d'invoquer le. La Great Old One, à l'invasion des. Une invasion spéciale. D'accord. Et bah dedans, il y a plein de bons items à récupérer. Quoi. Mais là, il vient de me donner 5 Defender Medal. Et je peux acheter la Flame Burst Rod, la Ballista Rod, l'Explosive Trap Rod et la Lightning Aura Rod. Mmh. Actuellement. Alors. Ça, tu vois, c'est le type de contenu extrêmement récent du jeu que je ne connais pas encore très bien. D'accord. Mais je crois d'ailleurs que c'est même le dernier contenu qui a été ajouté au jeu officiellement.
Alors, the first thing you need to know about are the special defensive artifacts I've got for sale, but only if you've got... Alors attends, il y a une chauve-souris qui va m'emmerder là. Passe à toi. Ouais, il m'explique plein de trucs, faudrait que je prenne et le temps. Et je suis mort. Ah bah t'as fondu. Oui. Alors, la Flame Burst Rod. Ça utilise 5 mana. Mais en tout cas, le puits est presque terminé. Another Speed Tower, that shoot Exploding Fireball. That shoot Piercing Bolt. Mais... Ah, oh, c'est pas vrai ça. Bonjour. Bonjour. Shop. Summon more than one. Qu'est-ce que c'est que ça, enemies? Zap. Non, en tout cas, ça a des bonnes armes. C'est quoi, je prends le lightning. Allez hop. Qu'est-ce que ça fait le lightning? Alors, je crois qu'il ah, fallait... Ah, regarde. Hein? Regarde l'ennemi en bas, il y a un truc sur lui. Ça me montre où sont les ennemis en fait. Ah. Tu le vois ou pas? Non, je ne vois rien. Ah bah il y a que moi qui dois le voir du coup. En gros, ça entoure les ennemis d'un halo violet, maraude. Mmh. Oh, c'est marrant. Et du coup, tu disais quoi? Bah, je ne sais plus. Alors, bravo. J'ai soif. Oh, une bière. Voilà. J'ai bu une petite bière. Ça te fait pas un effet négatif la bière normalement? Je sais pas. Je sais pas. On verra hein. Ok. Alors je vais essayer de descendre. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Alors, comme je t'ai dit, tu feras gaffe d'éviter tout en bas, parce qu'il y a de la lave normalement. Ouais, ça marche bien ça. Ouais mais j'ai peur, hein. Tu me fais peur avec ta lave là. Ah mais t'inquiète pas. Ah, Missile Eddy était mort ici. Ok. Ok. On va descendre gentiment. Ah, je commence à apercevoir la zone un peu rougeâtre. Je pose les torches. Hein. Ouais. Qu'on puisse voir quelque chose. Putain, j'ai hâte qu'on puisse vraiment faire un beau tunnel là, qu'on puisse descendre sans danger. Ouais. Et d'ailleurs. Alors, la lave est en train de se faire évacuer. Ok. Et d'ailleurs, dans Terraria, est-ce qu'il y a la possibilité de déplacer un courant d'eau? Enfin, de déplacer de l'eau en fin de compte. De prendre une source et de la mettre où on veut. Alors. On peut prendre dans des seaux, oui. Ok. Alors après, je me souviens plus vraiment de la quantité d'eau que ça prend. Parce qu'il me semble pas que ça prenne énormément. Oh, oh. Ah. Mother Slime. Il y a Mother Slime. Ouais, il y a, là, il y a... en train de... Je suis tombé sur un autre monsieur. Un autre monsieur? Oui. Mandible. C'est quoi ça? Stay away from the spider. Ça le suck. Out, ah, c'est, to inside. C'est la coiffeuse. Non, c'est pas la coiffeuse, c'est un monsieur, c'est une tête de mort. Là. Ah non, du coup, c'est. Dans quoi là? C'est juste un marchand. Comme le marchand qui voyage là, qui apparaît des fois le jour. D'accord. Ah, je vois de l'eau qui tombe. Bon, bah, du coup, il est pas très intéressant lui. C'est quoi ça du coup? Du LED? On s'en fout du LED. Hop. Mmh. J'adore parce que l'eau que tu fais tomber, ça me permet de remonter avec mes pannes là. Ah bah très bien. Ah c'est quoi, c'est que j'aime pas. Ah. Je comprends rien ce jeu. Il est trop dangereux pour moi ce jeu. Ah putain, il y a un squelette qui m'a poussé. Je vais mourir. Il faut vraiment qu'on fasse ce tunnel au propre. Hein. Vraiment, ouais. Vraiment. Hein. Parce que là, descendre comme c'est ça, c'est. À l'arrache. Oui, complètement. C'est ça le problème de faire ça avec de la dynamique. Ah, bah. Ah ouais, t'as fait tomber de l'eau, du coup, ça fait de l'obsidienne en bas. On disait aussi. Ah, j'ai mal visé. Oui, j'ai fait tomber de l'eau, j'aime bien. Ouais, enfin, c'est un peu embêtant pour nous. Mais non. Pourquoi c'est embêtant pour nous? Ah, parce que ça génère de l'obsidienne et ça va dans notre chemin. Ouais non. Mais après je m'en fiche, je peux rester dans la lave un petit peu. Tiens. Voilà. On a un peu plus. Alors attends, si je fais un trou là, ouais la lave reste ici.
Et là, il y a encore du Alors ça, c'est commentaire. pas... La lave là que tu vois qui tombe comme ça, là, ici, c'est pas de la lave qui fait mal. Non, non, ouais, c'est juste. Un petit courant. Yep, c'est comme la flotte où t'as aucun effet avec la flotte, quoi. T'as, par contre, elle prend son temps, la lave, à descendre, là. Ah, la lave, c'est comme dans Minecraft, hein. Elle est beaucoup moins fluide. C'est chiant. Oui. J'ai utilisé ma rod. Marc, Y'a des ça monstres ou fait ça pas? aussi dans ça fait ça aussi dans la vraie vie, remarque, hein. En théorie, oui. Enfin, la plupart du temps, ça fait comme ça. Y a des fois, la lave sera tout aussi rapide que l'eau. C'est chaud la lava. Oui. Merci pour ce postulat. Avec plaisir. Moi, je m'en fiche. Il y a Ah, des putain, ennemis à côté. Il y a Skeleton. Je peux les voir avec ma baguette, c'est trop bien. Bah, écoute. Monsieur, il a une baguette magique. Oui. Tu peux prendre une potion de trou de ver dans les coffres, enfin, ou en rôle. Là, c'est la dernière dynamite normalement. Aïe 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 aïe. Oh, ça je veux. Les étoiles filantes qui sont popées chez nous là. Potion. Officiellement en enfer, monsieur. Alors attention, attends avant de te téléporter parce que j'ai de la lave juste en dessous de moi. Par contre, Wormhole. j'ai des putains de chauves-souris. C'est le wormhole qu'il faut que je prenne, hein. Ouais. Ok. Ah bah, il y a une putain de chauve-souris qui m'a tué. Et bah voilà, du coup je peux plus y aller. Je peux plus y aller? Bah non, je peux plus y aller. T'inquiète, je vais y aller à ta place. Ah, mais les chauves-souris, elles sont apparues nulle part. Genre vraiment, elles sont TP. Putain. Hop, je vais ranger ça. Je Pour vide un petit peu une fois, mon c'est pas de ma inventaire. faute. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'obsidienne. L'obsidienne, je vais le mettre au niveau des blocs, si je peux. Non, je Une peux épée pas. en LED, ça va pas forcément m'aider, moi, en effet. Qu'est-ce que j'ai sur moi que je peux virer? Faut vraiment que je vire en fin de compte l'obsidienne que j'ai là. Je vais foutre ça dans quoi moi? Dans loot? Je vais foutre ça dans loot pour l'instant. Mangerai plus tard. Ok, bon bah du coup c'est reparti. Hein. On retourne dans le trou. Tiens, il y a une autre étoile filante là. Mais il y en a plein d'étoiles filantes, c'est incroyable. De toute façon, t'aurais pu garder une potion ou une wormhole parce que je vais bientôt arriver en bas. Bah tu me diras quand t'es arrivé en bas, je l'utiliserai ma potion. Ah mais si tu sais pas rebondir aussi. C'est encore ce putain de bouclier. Eh, je vais retirer ce bouclier pendant ma chute. Genre. Tiens. J'attaque des zombies en attendant. Ah. Moi je me souviens que la première fois que je suis descendu en enfer sur ma partie solo, j'avais mis énormément de temps, plusieurs heures à descendre d'ailleurs. Parce que j'avais fait des plateformes à chaque fois. Ah. Du coup, je prenais le temps et j'avais tout creusé. J'avais pas fait ça avec de la TNT. J'ai fait le gueudin. À l'ancienne. Ouais. Alors, tu sais, quand tu découvres. Ouais, tu penses pas forcément à. Non, tu penses à pas à dire. J'ai des bombes. Je peux acheter des bombes. Mais je vais pas creuser avec des bombes. Mais j'ai pas de bombes. Allez, là, je suis bientôt en bas. Mais du coup, je l'ai rerangé ma potion. Ah, mais je suis un sac. Ah, j'ai fait deposit all là pour tout ranger d'un coup. Hein. Ouais. C'est pratique, mais ça arrange la potion. Je suis pas entièrement en bas, mais je suis juste au-dessus de l'enfer. C'est bon du coup, je peux utiliser la popo? Ouais. Ok. Et je l'ai jeté. Comment tu t'en sers? Faut que tu la mets dans ton inventaire et que tu cliques? Faut que tu ouvres la map avec M. Ah, c'est vrai, putain. Sur la tête. Mais oh, mais non. Putain de... hey. Chauve-souris de brun. Voilà, il me fait téléporter sur un piège. Incroyable ce type. Incroyable. Tiens, prends ça. Trop tard, je suis tombé. C'est une potion que je t'ai passée. Appuie sur Ah, H. merci. Ah ouais, effectivement, ça marche. Allez. Putain, j'ai vraiment toujours Oh autant de putain, mal à. Y a des démons, putain. Ah, les démons, c'est violent, hein. Bon, bah, moi, je suis parti directement dans un abri. Hein. J'ai pas cherché à comprendre. Ok. Je sais même pas où tu es. Je suis dans une des maisons qui sont en bas. Ah,
ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, c'est tellement frustrant, putain. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié les coffres sombres en enfer. Il faut une clé pour les ouvrir, non? Ouais. Normalement, les clés, tu les trouves de manière random dans, dans le donjon, je crois. Oui, c'est ça, ouais, je me souviens que c'était dans les donjons qu'il fallait qu'on récupère ça. Ah, par contre, le mobilier des enfers, je vais le récupérer parce qu'il est franchement badass. Hop. Ouais. Est-ce que tu veux que je te passe une potion pour récupérer plus, un peu plus de vie? Non, c'est bon, je dois... Ah, tu me diras, non, j'ai plus de potion. Attends. Tiens. Merci. Il y a une chauve-souris qui arrive. C'est incroyable. Je vois que dalle sur le jeu, hein, je te promets. Hein. Ah ouais? Non. J'arrive pas à... C'est trop sombre ou... Bah en fait, le problème que j'ai, et j'ai le même problème quand je joue à Forager, c'est que il faut regarder l'écran pour regarder les ennemis, mais faut que tu regardes aussi ta barre d'inventaire en haut pour choper l'item que tu veux. Et le problème c'est que quand tu regardes en haut, tu regardes plus l'écran. Ah oui. Et du coup tu te fais baiser la gueule. Et à chaque fois, je me fais avoir comme ça. Donc ouais, là il faut vraiment la clé. C'est vrai. Tu vas te calmer le démon. Oublie pas que c'est possible de récupérer le sort des démons quand tu es tué. Normalement c'est un lit. Alors je vais pas ouvrir cette porte évidemment puisque derrière il y a de la lave. Donc du coup toute la, le minerai qu'on a récupéré c'est la roche que tu vois tout simplement. Enfin la roche colorée orangée. Yes. Donc c'est ça qu'il faut qu'on récupère. Très bien, monsieur. Si jamais tu vois un four, n'hésite pas à récupérer. Hein. Ouais. Parce que si on l'a pas, on peut pas faire tout ce qu'il nous faut avec ce cher minerai. Mais du coup, quand tu pètes le minerai, ça te fait de la lave? Oui, ouais. C'est le petit problème. Je viens de tester l'expérience. Mais casse-toi, chauve-souris à deux balles. Incroyable cette chauve-souris. J'ai déjà plus de vie. Ah mais les mobs d'ici ils font super mal si t'as pas l'armure adéquate. Et c'est on a l'armure juste en dessous de celle des enfers donc Il y a plein de gold ici. Bah, écoute, je te laisse essayer de faire ça. Moi j'avance un peu plus loin. Ah bah j'ai trouvé le four. Nice. J'ai vraiment du mal avec les touches de ce jeu aussi. Voilà. Très bien. Ok. Ah, puis en plus, je récupère des potions, c'est trop bien. Bon, l'idéal, c'est d'avoir quand même chacun de nous deux, au moins deux stacks de ce minerai là, histoire d'être large. Ah, mais là, ça va pas être possible. Ah, ouais? Ah ouais, c'est vachement compliqué là, il y a... Je me prends un coup, je décède limite quoi. Puis il y a de la lave partout, j'arrive pas à me déplacer correctement parce que j'ai pas... Parce que j'y arrive pas avec la barre d'espoir. Hein. Les slimes de lave, ils flashent de la lave quand ils meurent. Ah en plus, ah putain. Ah, quelle idée d'avoir pris en mode expert aussi. Ah mais ça c'est pas le mode expert mon coco. Non mais le mode ça, hardcore là, le mode difficile. Après, une technique que tu peux faire pour récupérer le minerai, c'est de minerai les trucs qui se trouvent juste derrière les murs de... Oui, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais il faut quand même que j'arrive à passer de l'autre côté sans, en évitant la lave. Le problème, c'est que de là où je suis, je vois pas vraiment comment je peux passer, à part refaire des trous dans les murs, repasser par là. Ah, et puis il y a une chauve-souris de feu, là. Va-t'en, va-t'en. Ok. Je cherche pas aller dans la lave pendant un court instant. Je pourrais aussi avoir la possibilité d'aller dans la lave, j'ai pas pensé. Parce que j'ai la potion. C'est vrai ça, il y a une potion pour ça, j'ai oublié. Par contre, faut que je fasse attention à pas me faire toucher par les mobs quoi. C'est tout. Oh là là. Tire-toi, saloperie. Puis
Purée, mais c'est incroyable ce jeu. Il te fait 50 de dommages quand il te touche, quoi. Ça t'enlève la moitié de ta vie. T'as combien de points de défense? J'en sais rien, je sais c'est marqué où. Quand tu fais échappe pour ton inventaire, juste en bas de l'armure, ça te met un bouclier avec 26. Tes points de défense. 26. Ouais. Moi j'ai 24. Bon, du coup, j'ai quand même récupéré le fond, donc je vais remplacer l'autre. Ok. Ah là là là, c'est frustrant, hein. Je te jure que c'est frustrant. Je te crois bien. On va faire ça. Ah oui, il faut de l'obsidienne pour Magic damage. Pour faire fondre la lustone en lingot. Il faut quoi? Il faut aussi de l'obsidienne. Donc ouais, en fait, indirectement, tu fais bien de faire de l'obsidienne. Bah voilà. Là, je suis en train de regarder, j'ai récupéré un Murderous Demon Scythe. C'est un bouquin. Ah bah c'est le sort des démons. C'est le truc qui te balance, là, les démons volants. Ah bon? Ouais. Effectivement. Alors, je sais plus combien ça consomme de mana, mais normalement t'as autant de mana que moi, donc ça devrait être bien quand même. Ça va, ça va. J'ai quelques blocs encore à ranger. Décoration. Mais il y a trop de trucs. On a plus la place de tout ranger là. Bon, t'inquiète pas, on agrandira la salle des coffres. Là, il va falloir. Hein. Incessamment sous peu. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir accès au coffre alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accès. Oui, c'est chiant ça. C'est un peu con. Bon, j'ai fait fondre le minerai. Tu peux. T'as l'obsidienne sur toi et t'as tes minerais. Minerai. J'en ai 4. Lol. T'en récupères que 4? Eh bah oui. Je les ai foutus dans le coffre. Récupérer un peu plus. Non, j'en ai pas récupéré un peu plus. Et l'obsidienne, j'ai que de l'obsidienne brique. L'autre obsidienne, je l'ai foutu dans loot. Dans le chest loot. J'en avais pas beaucoup par contre. Moi, hein. Ouais, 30, c'est bien. Faut un seul bloc d'obsidienne pour faire un lingot. Bon. D'accord. Bah écoute, à la limite, ce que tu peux faire, c'est toi, tu vas occupe-toi de faire de l'obsidienne. Genre un petit peu, puis moi je vais essayer de continuer en bas à récupérer plus de minerais. Et comme ça, on s'occupe pour faire de faire toi ton armure. En armure en hallstone, comme ça après tu pourras survivre un peu plus longtemps en enfer. C'est vrai. Après, est-ce que toi tu fais comme moi où t'as toutes tes armes à gauche dans la barre des objets et puis tous les autres objets à droite? Ah oui. Ou est-ce que c'est... Ouais. Mais... Ah, purée de jeu de con. Il m'a déjà enlevé 5 coeurs le bordel quoi. Putain. Je suis en enfer. Je me fais déjà attaquer. J'ai un petit comité d'accueil mais il n'y a rien. Mais fous-moi la paix. Je t'avouerais qu'à l'époque où j'avais fait Terraria, j'avais pas mis le mode de difficulté au max. Et c'était plus plaisant parce que putain, la mourir toutes les 30 secondes, qu'est-ce que c'est chiant. Tire-toi, toi, saloperie. Tiens, j'ai récupéré une statue d'une main de zombie. Sympa. Ouais, écoute. Ah là, il y a de l'opsy, je vais la choper. Ok, donc là, il y a de l'eau. Casser les pots en enfer, ça te donne tellement de loot, la vache! Parce que là, je récupère des potions de soins de type, des potions de soins normales. Ça te donne plus 100 points de vie, ça, c'est bien. Effectivement. Alors, obsidienne. Voilà, j'en récupère un peu ici. On est d'accord hein, que... Un dos plus un d'obsidienne, ça consomme l'eau et la lave. Enfin, un dos plus un de lave, ça consomme l'eau et la lave pour faire l'obsidienne. Ouais. Ouais, ça. C'est comme dans Minecraft. Hein. Non. Ah. Dans Minecraft, ça consomme que la lave, monsieur. Ah, bah. On invente toujours grâce à Rémi 2G. Et toi, okay, là, il y a de l'opsy. Il n'y a pas d'eau par là? Non. Dommage.
n'y a pas du tout d'eau ici. Puis là, c'est quoi ça? Giant Shelly. Ouais, c'est de la merde ça. Où qu'est-ce qu'il veut lui? Bah, il t'a tué. Putain, j'ai droppé 15 pièces en or. Ah, ça c'est violent par contre. Heureusement qu'il n'y a aucun mob qui passe dans la zone où j'étais. Bah, tu l'aurais eu mauvaise. Tant pis. Bonjour monsieur. Bonsoir. Je cherche de l'eau. Je sais pas si j'en trouverai par là. Non. Mais je suis vraiment débile, ma parole. C'est rien, c'est rien. Ce foutu bouclier, je te jure. Ah oui, il est chiant, hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois aussi avec. C'est pas super agréable de rebondir. Tiens, on recommence. Rebonjour. Rebonjour. Non mais je pense que là, il faut vraiment qu'on fasse... un polish, ouais. Le tunnel, là. Faut vraiment qu'on le fasse. Parce que c'est très handicapant de descendre en se faisant défoncer la tronche à chaque fois, là. C'est un petit peu chiant. Oh là là. Oh là là, le bouclier, il m'a eu aussi, tiens. Pas mal, pas mal. C'est un item qui est censé nous aider, puis au final, ça nous fait plus mourir qu'autre chose. Ouais, parce que tu sais, t'as le réflexe de double-cliquer pour te déplacer dans un endroit. Et au final, non, bah non. Et au final, bah non. C'est bon ça, toi. Aïe, aïe, aïe. Je veux pas mourir. Bon, par contre, je vois pas beaucoup de la... Y a pas beaucoup d'eau par ici, hein. Faudrait que je fasse tomber de l'eau de très haut. Ah, par contre, un truc que tu sais peut-être pas, c'est que si tu fais tomber de l'eau dans les enfers, l'eau s'évapore. Ouais, ouais, ça... Sauf si tu la fais tomber en grosse quantité, là, elle aura pas le temps de s'évaporer, ça sera quand même un peu d'obsidienne derrière. Yep. C'est comme dans Minecraft, quoi. Tu peux pas mettre de l'eau dans le nether. Ouais. C'est vrai que maintenant, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on peut plus faire ça. Descends. Oh, imbécile. C'est comme mettre un lit, on peut pas. Ça fait exploser. Oui. Ah, tu as une pièce. Tu peux mettre un lit, mais tu peux pas dormir en même temps. 3 pièces en or. Là, j'ai jamais compris pourquoi ça, ça fait ça. Oula, c'est toi qui as tiré. Non, c'est les démons qui ont tiré là, non? Calmez-vous. Aïe, 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 aïe. Tu. Putain, j'ai appris une potion qui augmente le nombre d'ennemis aux alentours. Je suis. Je suis débile. Meurs. Non. Oh, purée. C'est pas très gentil. Bon, allez, vas-y, meurs un coup. Voilà, fais-toi plaisir. Moi je redescends plus en enfer, c'est fini. Et on a pas le stuff, on n'est pas assez stuffé, on se fait déglinguer en deux coups là. C'est stupide. Ouais, pourtant le stuff qu'il nous faut il est en enfer. C'est ça le problème. Bah ouais, mais là le problème c'est qu'il y a de la lave partout, il y a rien pour descendre proprement, c'est pas... Là on y va en mode à l'arrache, bah les couilles, donc non, faut qu'on essaie d'avoir un truc propre nickel pour qu'on puisse... Bah en fin de compte, pas mourir 50 fois et arrêter de perdre toutes ses pièces quoi. L'alternative, ce serait d'aller dans le d'essayer de faire le donjon et de récupérer des items plus puissants. Oui, aussi. Mais bon, sur le principe, aller dans les enfers et miner, c'était pas forcément compliqué. Mais sur le principe. Bon, on va déposer tout ça. Moi, tant que je suis en enfer, je continue à récupérer. Et puis si je meurs, Oui, carrément. Hein. Si à moins que je puisse faire le reste du boulot pour avoir ce qu'il nous faut, ce serait bien. En plus, moi j'ai ce foutu item qui me permet de rester dans la lave un peu. C'est statut ça. Statut. Hop là. Je suis tout en bas de la map, mais la caméra ne me suit plus. C'est con ça. C'est perturbant. Mm-hmm. Du coup, comment on va policher les murs? Parce qu'on faut qu'on trouve un bloc pour le policher. Moi je veux faire un truc propre, monsieur. Bah à la limite, tu te mets sur un bloc, puis tu creuses tout en bas, puis tout ce qui se trouve sur ta gauche ou ta droite, au dépend d'où t'es, tu creuses aussi. Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer. Aïe, aïe. Petit Alors, con. Donne-moi ça, toi. Là-dedans, y'a rien à faire.
Est-ce qu'on peut cuire cette stone là? On peut avoir grey brick. Stone block, grey brick. C'est pas mal ça. Redescent brick, ça demande du hache. Ah bah voilà, bone serpent. Ouais, je me suis fait tuer par un serpent. On aime ça. Je vais récupérer ça. Faire les murs. Bon, je vais quand même récupérer un petit peu de minage. Là, j'en ai récupéré 50 quand même. Deux. Bah de Hellstone. Ah, nice. Moi, j'en ai récupéré 0. Je suis fier de moi. C'est un record. Non, mon record, c'est quand même... 4. Oui, c'est tout. Bon, du coup, je peux quand même faire fondre ce que j'ai déjà. C'est déjà très bien. Bah, ça fait pas énormément de choses, mais si c'est ça, on va dire. Alors, j'ai 27 lingots. Ça va. Alors, le bonus de l'armure Crimson complète, c'est augmente la régénération des points de vie. Ça va. Et honnêtement, quand tu te bats, tu gagnes pas ton énergie rapidement. Donc, moi, je trouve ça utile de mon côté. Moi, à la limite, je ferais un des éléments de l'armure qui me donnerait plus de points de défense. Mmh. Et comparé à ce que j'ai, ouais, ça donne 2 points de défense en plus par rapport à ce que j'ai déjà. C'est pas rien. Nope. On va quand même attendre. Oui, on va attendre. De toute façon, je pense que le prochain épisode, on va essayer de se faire autre chose. Bah, le donjon. Bah, je pense qu'il y a que ça à faire, en vrai. C'est soit le donjon, soit la jungle. La jungle, c'est un peu tendu, hein. Il y a quand même de bons équipements dedans. C'est ça le... Moi, je reste persuadé qu'on aurait dû quand même prendre le niveau de difficulté en dessous de celui qu'on a aujourd'hui, hein. Pour qu'on puisse, pour que ce soit plus fluide. Parce que là, c'est compliqué d'avancer en fait, hein. Ah, please quoi. Et j'arrive pas, hein, j'y arrive pas. C'est incroyable. Bah attends, je vais bien finir demain. Non, c'est pas que j'arrive pas à faire quoi que ce soit, c'est que prendre mes items, regarder mes items en haut à gauche, regarder mon... J'y arrive pas. C'est un truc de malade. T'arrives pas à mémoriser l'emplacement d'où ils sont? Bah non, ça change tout le temps. Ah oui, tu mets carrément de la brique, c'est joli. Ah oui, j'ai dit que je faisais quelque chose de propre, je fais quelque chose de propre. Monsieur est gracieux. Bah, faut essayer. À faire quelque chose d'utile plutôt que de mourir 150 fois. En vrai, je suis tenté de retourner en enfer. Bah, vas-y, hein. Je vais voir comment on fait un saut. Comme ça, je vais prendre de l'eau avec moi. Tu peux déjà faire un saut là? Hein? Tu peux déjà faire un saut? Normalement, avec du LED, on peut. Ah.
Qu'est-ce que tu fous? Mais il est chiant en plus. Bon. Ah yes. Ça, c'est important. Ah bon? Oui, ça va permettre de combiner les équipes, les accessoires entre eux pour faire des accessoires plus puissants. Mmh. Et en plus, lui, il nous vend les Rocket Boots. Du coup, je vais m'en prendre une paire. Elles sont sympas ces torches noires là. C'est les torches d'enfer. Du coup, je vais regarder ce que je peux faire avec les Rocket Boots. Je pense savoir ce que je peux faire. Ah, t'as les chaussures pour courir plus vite. Ouais, j'ai des chaussures pour courir plus vite, ouais. Eh bah écoute, je te conseille de t'acheter une paire de Rocket Boots, parce que tu vas pouvoir les combiner avec le gobelin. Gobelin, il est dans le noir, il aime bien. Ouais. Shop. Yes. Rocket Boots. Ouais, tu t'en prends une paire, tu retires tes chaussures, tu les mets dans ton inventaire principal, et après tu vas à côté de la station de craft que j'ai posée, et tu vas pouvoir créer les Spectre Boots. Ça fait qu'en plus ça me libère une place dans mon inventaire pour un équipement. Ça c'est cool. Comment tu craftes tes Spectre Boots? Ah ouais. Attends, ça doit être ça. Ah ouais, Spectre Boots. Ouais, et puis après tu bois. Putain, oui. Et du coup, moi avec ma bouteille, enfin mon pot, je peux aller encore plus haut. Ah, par contre, faut faire attention pour les dégâts. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on cherche les îles volantes pour avoir le fer à cheval. C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait? Îles volantes ou donjon? Prochain épisode. Alors, bah écoute, on doit avoir deux potions de gravitation dans les coffres. Je vais regarder ça. Potion. Ah oui, on en a mis trop au total. Du coup, je t'en passe une. Tac. Tu la bois, tu cours et tu vas à droite, moi je vais à gauche. Bah attends. On va pas tout faire dans un seul et même épisode, monsieur. Il faut qu'on coupe l'épisode quand même. Il faut tout faire. Parce que là, juste pour te dire, ça fait 1h30. Hein. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Donc il faut qu'on quitte là. Il va y avoir beaucoup d'ellipses et beaucoup de montage pour cet épisode, mais parce que j'ai passé la plupart du temps à faire mon mur, étant donné que j'étais en train de râler parce que c'est pas safe pour descendre. Mais c'est pas terminé parce que on est très proche, hein, quand tu regardes la map, hein, on est très proche de la fin. Oui, quand même, ouais. Donc ça devrait pouvoir le faire. Toi tu fais directement le mur, après tu retires ce qui est au milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Et après il y aura le mur de droite à faire et on sera pépère. À la limite, le mur de droite, on pourra s'en passer pendant un certain temps. Ouais, c'est sûr, mais je pense que je le ferai quand même. Ouais, comme ça, on sera tranquille. Mais ce qui pourrait être bien aussi sur ce mur-là, c'est coller au mur, en fin de compte, mettre des espèces de... Enfin, des étages, en fin de compte, pour pouvoir aller en grotte et aller un peu plus loin. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de zones qui n'ont pas été explorées, en fin de compte, dans les grottes. Ah oui. Qu'on pourra explorer. C'est marrant parce que moi, sur ma map, t'as vraiment le milieu qui a été exploré. Et puis t'as ce tout petit truc à gauche, parce que j'ai pris une potion de téléportation. Ouais, moi c'est pareil, j'ai quelques petits trucs à droite à gauche. D'ailleurs, je crois que j'en ai récupéré des potions de téléportation, ça pourrait être marrant de les réutiliser. Enfin bref. Du coup, messieurs, dames, on se laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura quand même plu, même si on a... Bravo. Même si on n'a pas fait vraiment grand chose, parce que mine de rien, il y avait quand même. C'est compliqué, on est en mode difficile, donc ouais. C'est compliqué. Sur ce, à bientôt. Bye. Bye.